Hello les futurs chirurgiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto chirurgie et aujourd'hui on va réaliser une incision. Tout d'abord, faites des pointillés sur la partie que vous comptez inciser, comme ceci. Voilà, parfait. Vous pouvez prendre maintenant votre scalpel. Vous vous rendez compte, là vous touchez à la vie. Vous touchez à la création, donc ça demande beaucoup de soins. Beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Soyez restez concentrés, respirez calmement et évitez de vous distraire. Quand vous avez ouvert, que vous avez pratiqué, il va falloir recouvrir. Voilà, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jour. C'est une ablation des amygdales. Au revoir. Mais c'est pas vrai! Samuel, qu'est-ce que vous avez encore foutu? Non, je faisais un peu de rangement. Du rangement? Me dis pas que vous entraînez encore à autopsier! Ah ça? Non, pas du tout. Faut arrêter avec ces conneries, Samuel. Trois fois que vous échouez au concours, vous serez jamais chirurgien. Jamais! Et foutez-leur la paix à ces cadavres! Ils sont pour rien! Je sais, mais... Celui-là, là, Samuel. Pas touche. Attention. C'est une vedette de film, il paraît. Moi, je connais pas, j'ai pas la télé. Mais ils viennent lundi de Belgique pour le rapatrier. Mais ça veut dire qu'il y aura pas d'autopsie? Non. Non, il y aura pas d'autopsie. Avec ce qui s'est foutu dans le nez, il y aurait de quoi descendre une piste noire. Bon, c'est bien compris? Oui, j'ai compris. De toute façon, là, il est l'heure. Oui. On va fermer. Non, mais Je l'enregistre, je le mets dans le casier et après c'est fini pour moi. Vous oubliez pas d'éteindre la lumière, Samuel. Non, monsieur Maurice. Très bien. Bon, je vais finir la paperasse. Bon week-end, Samuel. À vous aussi, monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Non, monsieur Maurice. Allez vous faire foutre, monsieur Maurice. Une chose à faire. Allez! Y'a quelqu'un? Petits oiseaux. La lumière au bout du champ.
fait mal. Je t'assure, papa, tu seras fier de moi, tu sais. Plus tard, je serai chirurgien. Ah, arrête un peu, mon petit ami. Tu ne seras jamais chirurgien. Bonjour. Tu veux pas mettre ta main sur ma cuisse? Vous l'aurez jamais, le concours, le chirurgien. Tu vas pas m'aider, toi. Dans tous tes films, t'es le héros. Et tu vas pas me sauver. Tu vas me laisser moisir ici. Sam, il faut que tu croies encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois, y a personne au monde qui peut te bouger. Mais oui, je suis un de tes plus gros fans, vite. Sam, il y a des gens dans la vie qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Aware. Tu sais, Sam, l'être humain en général dans la vie réacte. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. React. Deep inside. React. 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 Ça marche pas, ta merde. Putain. On a tous à l'intérieur de soi-même. Deep, deep inside. Vraiment à l'intérieur. Quelque chose d'invincible qui s'appelle le spirit. L'esprit. L'esprit. Le spirit! Allez, fais-moi sortir de là! Allez! Samuel Chivin. Depuis tout qu'on attendait. C'est le professeur Samuel Chivin. Oh! Oh! Quelle allure, mais qu'il est beau! Vous êtes le meilleur, professeur. Quel talent! Ça fait un coup de C'est ça. Cette précision. Quelle dextérité. Regardez. Imperturbable. Quel talent. Voix. Wow. Une force. C'est précis. Vous êtes le meilleur professeur. Searching for